D'abord, quelques mots en solidarité pour des centaines de milliers de Québécois qui sont aux prises avec des inondations un peu partout au Québec, en Mauricie, en Outaouais. En fait, dans 13 à 15 des régions du Québec sont aux prises avec des inondations. On pense que les précipitations vont être assez fortes d'ici lundi. Donc, on est très vigilant sur l'action gouvernementale. Je pense qu'il est important que l'ensemble des mesures soient au rendez-vous. Pour l'instant, ça semble correct. On tient à le dire dans la mesure de notre capacité à vérifier. Les maires semblent réagir correctement. La question de l'armée a été posée. Le gouvernement, pour l'instant, pense que ce n'est pas nécessaire, mais il serait prêt à y recourir si ça devait être le cas. Il faut rester vigilant. Nous, on continue à voir ce qui se passe dans nos régions. Plusieurs de nos populations, de nos députés sont affectés. Nos députés sont avec leur commettant, leur maire, leur organisation pour essayer de participer à traverser ce moment difficile.